On commence avec de la joie, de la bonne humeur et de la fierté quand la France gagne. Hier soir, nos handballeuses ont été sacrées championnes du monde, une troisième étoile à 7 mois des Jeux Olympiques. C'est magnifique avec Christophe Abel et Yacine Nfaoui. Elles nous donnent le sourire et franchement, on en a bien besoin. C'est un bonheur immense. Elles s'enlacent fort pour s'assurer qu'elles ne sont pas en train de rêver. Mais ce sont bien des larmes de joie qui coulent sur leur visage. On a tout donné aujourd'hui, c'est la fin et on part avec la médaille d'or. C'était un rêve d'enfant et aujourd'hui, je suis tellement fière. J'arrive pas encore à le réaliser, j'avoue. Il n'y a pas d'émotion. On est championne du monde à la troisième étoile. Et puis finalement, elle danse. Elle réalise enfin qu'elle vient de marquer l'histoire. Ce trophée, elle le partage en famille. Elle est lourde, elle est belle. Elle est belle, elle est très belle, elle est très lourde. Elle vaut tellement de choses, je suis trop fière du parcours qu'on a eu. Un parcours sans faute. 8 matchs, 8 victoires. Avant cette finale, face à une des meilleures équipes du monde, la Norvège. Là encore, la France est impériale. C'est terminé ! Elles sont championnes du monde ! Ses filles sont en mission, avec des rêves encore plein la tête. Le prochain, défendre dans quelques mois leur titre de championne olympique.